Yo les petits potes, tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui les gars vous l'aurez remarqué, je suis pas tout seul, je suis pas chez moi. On est en compagnie du V, Valou. Là mon gars, aujourd'hui, du gros défi. On est en compagnie du Dobzer. En fait, il fait la tête. Mais pourquoi tu boudes? Là, il fait la tête parce qu'il a faim. Oh, il a faim, il boude. Aujourd'hui, on va beaucoup manger, on va se péter le bide. Vous avez vu le titre de la vidéo. Et du coup, on a attendu qu'il soit environ 15h pour manger, histoire d'avoir bien faim. Sauf que du coup, lui, il boude. Et on est en compagnie de Pidi, évidemment. Ça gâte. Pidi, tu fais le challenge? Non, je vais juste manger, j'ai la dalle, les gars. Ah ouais, Pidi, fais le challenge. Ok. Pas dur à convaincre du tout. Du coup les gars, je vais quand même vous expliquer rapidement le concept de la vidéo pour ceux qui connaissent pas. Aujourd'hui, challenge bouffe, on doit manger le maximum. Valou, ça me fait plaisir de faire ça avec toi. C'est la première fois qu'on fait un challenge bouffe. C'est la première fois qu'on fait un challenge, moi et toi, alors que t'en as fait sur ta chaîne, ouais, j'en ai fait sur ma chaîne. Vrai. Et là on va se défier, parce qu'à chaque fois on faisait genre cheese challenge et Valou il m'a battu parce qu'il l'a fait après moi. Sauf que... On était interposés en vidéo, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Après moi je t'avais battu sur les wraps, mais sauf qu'on les a jamais fait en même temps. Alors qu'en même temps du coup on va se challenger entre nous, ça va être trop bien. Aujourd'hui les gars on fait tacos de chez KFC parce que en gros Valou tu m'as dit il y a les tacos qui viennent de à la base des bases, ils voulaient faire les tenders. Ouais, je voulais faire tenders. En vrai moi j'ai déjà fait tenders et je crois que c'est celui qui m'a le plus mis KO. Bah, et en fait ouais, ils ont sorti vrai des que tacos. Les gars, vous allez voir à la fin de la vidéo on va être KO. Ouais, là ils ont sorti des tacos, ils font des tacos mais mexicains, tu vois, mexicains. Je sais pas pourquoi. Mais en gros ils font des tacos mexicains mais avec du poulet dedans et ils sont... Ah ouais? Ouais, c'est trop bon. Et c'est petit quand même. Ouais, ouais, c'est petit, ouais. Faisons de parler, j'ai la dalle. Direction le drive. Mais on en prend combien? Moi, je pense que j'en prends 12. 6 boîtes de 2. Mais gros, mais c'est des tacos. T'en manges 12. Mon objectif, c'est 10. Et okay, je préfère prendre un pot. Ok, j'en mange 15. Bon, bah, je vais en prendre 15 alors. Ok, j'en prends 20. Non, non, là, mais... On prend le RSQ 3. Frems, oh, tu la vends pas. Tu la vends pas, Frems. La règle, c'est faut voir la voiture au pour pire, le dire. Eh, vous savez quoi? On remet à 0 Frems. C'est la vidéo de Michou. Il devrait être devant normalement. Ouais, je suis d'accord. Mais Dobby, tu peux arrêter. C'est boudé hein. Eh mais avoue là je vous ai quand même bien niqué parce que c'est moi qui ai devant au final. Ouais mais c'est toi qui paye donc bon je veux bien monter derrière moi. Parce que t'inquiète même pas, je vais prendre tout. C'est quoi? Mais hey, c'est quoi, moi je vais ça aller me voir fait toutes les voitures si de tu... derrière et je leur dis que tu leur payes. Mais arrête, toi t'as un fou. Ouais viens, viens la voiture devant, tu payes pour eux. Ah ouais. Vas-y je suis chaud. Vas-y. Là y'a pas de voiture gros. J'avoue imagine. Bah en vrai il est 15h donc c'est ça, on sera tout seul. S'il y a une voiture devant nous, je vais les voir, je leur dis je paye. Ok. On en prend combien en vrai de vrai? Parce que du coup c'est deux petits tacos. Moi en vrai. Moi vraiment je vais prendre 6 boîtes. De toute façon Pidi elle va sûrement pas finir, je pense. 6 boîtes du coup 12. Ouais ça fait 12 ouais. Vas-y je vais prendre pareil hein. Le pire c'est qu'il y a double et... galette. Il y a une galette molle et une galette dure. Ah c'est vrai? Ouais. Ah c'est deux différents en vrai. Ouais. Ah non mais sur le même tacos. Ah ah oui ok. Ah ouais j'avoue. Ils sont en quoi les tacos? Bah en mode mexicain un peu. Poivron, guacamole et tout. Ouais guacamole. Oh mais ça c'est grave. Enlève-moi, c'est trop bon. Je suis anti, bah je mange pas du guacamole. Mec c'est la recette, elle est comme ça, c'est bon. C'est le truc que tu manges avec les chips ça, non? Ouais c'est ça. Y'a du maïs et tout dedans aussi? Non. C'est mexicain ça. Du maïs? Non, y'a pas de maïs. Frère, le maïs c'est tacos mexique, c'est. Ah maïs, ouais? Bah de toute façon on va bientôt au monde. Quoi? Et Pidi t'en prends combien toi? Bah moi je sais pas, en vrai j'avoue j'ai grave la dalle. Mais est-ce que tu vas tenter vraiment le défi à fond? En fait j'ai trop peur de pas aimer moi. Et Dobby et tout. Mais non Dobby tu vas aimer. Mais ils sont bons. Oui tous. Chaton, on a déjà goûté ou pas? Bah oui on a déjà goûté, on a déjà fait une vidéo. Il y a un an. Ah mais ça date de un an. Non non, ça vient de ressortir. Anecdote. Ah ça anecdote. Et franchement je fais un sacrifice pour toi Mich. Il y a un an quand j'en avais goûté, j'avais tellement kiffé, j'avais dit et j'avais lancé la commune, j'avais dit je vais faire un concours dessus, je suis sûr j'en grade 10 facile. Ah que j'avais kiffé. Si tu me provoques et on fait un concours, et bah franchement je pense que ça je peux en bouffer jusqu'à au moins 10. Et le jour où j'ai voulu tourner le concours, il n'y avait plus de tacos. Ah, et du coup ils viennent de arriver et bah du coup c'est pour toi. Ok. On en prend 6 boîtes pour moi, 6 boîtes pour Valouz. Bidi tu prends 4 boîtes. Bah non, 2 boîtes parce que ça en fait déjà 4. Ouais ça en fait 4. Et Dobby, mec tu prends 5 boîtes. Je pense ouais. Oh t'as vu Dobby il est chaud. Du coup ça fait combien de boîtes? Ça fait 6 plus 6 plus 5 plus 2. Ça fait 128. Hein? Attends, ça fait beaucoup. Non, attends, bah, ça fait 19, 6. Ça fait 19. Bah ouais, ça fait 19. Du coup, j'ai bah, dit qu'on est n'importe quoi. Mais bah, non, mais c'est bien. J'ai dit bah, 19, gros, t'étais fou. Bah oui, mais ça fait 19. Bah oui. Non, mais j'ai dit ça fait 19, donc autant en prendre 20. Allez, on arrondit. Oh lolo, le KFC. Regardez, oh, ils sont là. Les tacos. Double tacos. Il a donné envie. Ouais, mais non.
non, mais j'avoue qu'ils ont l'air vraiment. Vraiment, les gars, ils sont vraiment très très bons. Il y a une galette dure et une galette molle. Ah ouais. Et entre les deux galettes, il y a de la sauce. Toi, tu préfères quand elle est molle ou quand elle est dure? Bah, le matin, tu préfères quoi, toi? Bah, moi, le matin, elle est molle. Hein. Valos, toi, tu bandes le matin? Pardon? C'est quoi cette question? Parce que moi, le matin. Ça lui arrivait un matin. Non, moi, le matin. Il est venu me voir. S'il vous plaît, arrêtez, je suis gêné. Regarde, je dormais dans ton canapé. Quand je me suis réveillé, je bandais pas. Non, mais vous êtes vraiment. Vous bandez. Mais du coup, Valos, bonjour, on va vous prendre 20 boîtes de double tacos. 20 boîtes de double tacos? Ouais, 20, ouais. Ça fera 133 euros au dernier guichet. 133 euros. 133 euros. 133 euros. Eh, Dobby, je suis quand même ton patron. C'est pas mon patron. Ouais, t'es ton client. Ouais, ah, je suis ton client. Est-ce qu'on peut payer? Ah, t'es un de ces Yankees en fait. Ouais, je suis un Yankee alors. Est-ce que je peux payer en entreprise là? Tu peux payer. Bah oui. Oh, je peux payer en entreprise. Let's go. Donc, je récupère la TVA. Donc, je récupère 20%. Ça devient très technique. On n'est pas chef d'entreprise, nous. Eh, les gars, en vrai, attendez, chef d'entreprise. D'ailleurs, t'as oublié de me payer la facture. Numéro. La facture. Et d'ailleurs, Wakit, tes factures, et à chaque fois, il prend du temps. C'est vrai. En plus, là, Wakit, je te jure, il m'a envoyé un message ce matin. Il m'a dit, au fait, t'as payé la facture de mai. Et s'il vous plaît, j'ai trop envie que ce moment soit dans la vidéo. Même si ça dure 5 secondes. Eh, regarde, tu m'as fait un cadeau d'anniversaire, Michou? Non. Tu veux participer avec moi dans un cadeau d'anniversaire de Dobby? C'est pas son anime, là. Attends, attention. C'est le 31 juillet, ton anime. Et elle sort quoi, la vidéo? Elle sort dimanche. Ah, bah ouais. Mais les gars, on dit tous joyeux anniversaire, Dobby. Joyeux anniversaire, Dobby. Ah, moi je veux. Vous avez quoi comme café? Expresso double. Moi je veux bien un expresso si vous voulez. Allez, je vais prendre un petit expresso aussi, c'est gentil. C'est le meilleur de l'Ouest. C'est la première fois que je vais voir un café comme ça. Il est offert? Oh, merci beaucoup. Comme il y a de l'attente, ils sont venus nous voir, ils ont dit vouloir un café pour attendre. Non, merci, tu veux du sucre? Non, merci. Moi je. Non, bonhomme toi. Non, pas de sucre. Je suis un bonhomme, il a raison. Monsieur, c'est très gentil. Dégustation de gros café noir. C'est cool. Mais pourquoi il y a ça dans ta voiture, Malouz? Mec, t'es quoi le café? Je le cul sec. Vas-y, que de la gueule. Ah bah ça passe. Oh, regarde, il y a une voiture qui arrive derrière. Attends, je viens, je vais lui payer. Bonjour. Ah, tu connais? J'ai une question. Est-ce que vous avez payé ou pas? Je peux vous payer ou pas? Vas-y, bah je vous régale le KFC du coup. C'est moi qui régale, ça fait plaisir. Mais gros, je suis mort, c'est des abonnés. Mais non. Mais si. Ah, mais oui, c'est ici qu'on paye. D'ailleurs, ouais, ils payent pour la voiture de derrière. Je peux payer pour la voiture de derrière? Vous payez pour la voiture de derrière? Ouais. Mais ils le savent, ils sont cons. Ça fera 239 euros. Oh. Non. Je leur ai demandé ce qu'ils ont pris. Hein. Ok, ça. Il a dit ça fait 230. T'as bégayé, gros. C'est bon, c'est payé. Merci. Vas-y, bon app, hein. Et bon courage, hein. Si, merde. Oh, il y a les tacos. Tiens, prépare tes bras. Oh, lolo. Oh, let's go. Hop, ok, merci parfait. Pour le café. Bah, je pense qu'on a tout. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour cet accueil hors du commun. On se reverra bientôt. Au revoir. Salut. Oh, lolo. Ça dit quoi, les toutous? On mange? Je m'installe dans mon petit trône. Mec, là, t'es le boss, en fait. Ouais, mais attendez, on a abusé, là. Fais voir la taille d'un tacos. En vrai, ils sont quand même bien garnis. Hein. Oh. Imagine Yuki qui saute sur la table et qui fait tout tomber partout des tacos. Et après, les chiens, ils se jettent dessus. Ok, il est 15h50. On peut attaquer, hein. Mais attends, mais on me voit presque plus. J'avoue, moi, salut. Plus mais, je vais partir en couille parce que j'en ai 5. Toi, t'en as 5. Vous, quoi. Mec, t'as 5 boîtes à manger aussi. Hein. Pidi, verdict, c'est bon. 5. Attends-moi pour le premier croval. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. T'es prêt? Vas-y, t'as santé, mec, mon petit. C'est parti. Bon app. Ça va croquer de ouf. Les premiers, on va kiffer un peu. Mmh. T'as vu, au niveau du goût, c'est trop bon. Mmh, c'est trop bon. Mais justement, là, faut profiter. Parce que là, c'est bon. Mais attends, quand on aura mangé 5. Mais attends, mais. Quoi? Ça pique de fou, hein. Mec, on va en bouffer 12. Ah, gros. Ça pique, toi? Avec les doubles galettes, gros, on va pas assumer. En vrai, de vrai, si vous avez jamais goûté, c'est vraiment bon. Moi, j'aime bien. Hein. Mmh, pour l'instant, c'est survalidé. J'entame mon deuxième. Déjà? Bah, pareil, j'entame mon deuxième. J'ai fait la moitié, moi. J'entame mon deuxième. Là, en fait, on est au Mexique, en fait. On est un peu au Mexique. On est un peu des Mexicains, là. Faites vos pronostics dans les commentaires selon vous qui va gagner entre moi et Valouz. Première boîte terminée. Il y a quand même Dobby dans la course. Hein. J'entends. On a déjà mangé deux. Ma deuxième boîte. En fait, Valouz, il va m'avoir au chrono. Voilà, des nouveaux participants. Voilà. Mais tu sais que moi, je pense que je vais. D'accord. Ouais, d'accord. Je pense des tacos là. Les petits qui crient Michou, ils sont juste devant là. Il y a un choqué là, wesh. Eh, hey, les gars, vous rendez fou à venir chez moi, wesh. Ouais, ouais. Tous les jours. Genre, Valouz, il est chez lui. Bah ouais. Et il y a des abonnés. C'est pas grand d'être là, les gens. Il y a la police qui arrive. Eh, hey, tu sais que je vais trop bien la sirène de police.
Mange ton tacos, gros. Hop, mon quatrième. Moi, c'est mon quoi? Après, je peux que je croque dedans, là. Mais gros, calme-toi. Bah, moi, j'ai fini une boîte. Moi, j'ai fini une boîte. Vous, ça pique? Mais tu sais que moi, je crois que j'adore le piquant. Quatrième terminé. Là, je le sens même pas que ça pique. Hein. Oh là ça, là. Ça pique un petit peu. Toi, t'as fini deux boîtes. Ok, les gars, je crois que je vais arrêter de parler. Je vais commencer à enchaîner. À gros dos, ça arrache la gueule. T'as combien, toi, Dobby? Là, c'est mon 4 là. Mais Dobby, il charbonne aussi. Ah ouais, mais attends, Dobby, je vais te mettre dans la vidéo en fait. J'avoue, t'es un challenger. Hein. J'avoue, Dobby. Les gars, Dobby, il a 4. Hein. Eh, elle voulait l'entamer. Oh, ça y est, le 5ème, je sens. Là, tu manges avec le cerveau. À partir du 7ème, je pense que je vais manger avec le cerveau. T'as le temps de me rattraper, hein. Il est pas cuit, il me dégoûte. Je vais le battre, les gars. Il est pas cuit, il me dégoûte. Il est congelé encore. Ah, le mec, il est vraiment congelé. Ouais. J'ai pris ça pour toi, mon petit Mich. Oh Volvic fraise. Là, tu me connais bien, là. Eh, mais t'es malade, toi. T'es élevé où, à la ferme? Bon, j'ai fini ma 3ème boîte. Ce qui veut dire que je suis à la moitié. Ah, j'avoue. Et honnêtement, peut-être que je vais réussir sur le temps. Mais là, tout de suite, je me dis dans ma tête, comment je vais faire? Là, ça va être comment dur. Je vais faire? Je suis qu'à 4 là. Je crois que je vais en manger 6. Dis-toi, là, ce que tu as mangé, c'est ce que je mange moi normalement quand je vais au café. En gros, t'es faux, hein. Ok, 4 tacos, mon pote. Ma pile de boîte, elle est là. Hop là. T'as fini tous tes tacos, Speed? Il me reste une boîte. Ah, il te reste une boîte en vrai. Mais j'avoue, j'ai plus trop faim. Là, t'en as mangé que 2? Ouais. Oh. Donc, Speed, pareil, t'as fait la moitié. Je vais être honnête avec vous, j'en ai mangé 7. Et là, ça y est, je crois que je vais entamer le mental. Les gars, vous rendez pas compte, mais c'est quand même vraiment dur. En vrai, les défis bouffe, ça me fume parce que avant, quand tu fais ta commande, t'es confiant. Easy. Ouais. Et là, tu vois, tu sors le paquet, t'es en mode, ouais, ça va être un peu dur. Et là, t'entames, t'es en mode, j'ai les yeux plus gros que le ventre. De fou. Pour vous, les mis un petit croc, voilà. Oh là là. Moi, je suis un habitué des dégustations, hein, j'ai envie de vous faire kiffer. Attention. Lui, non. J'ai presque ASMR. Ouais. Ah, ça reste bon encore. Mais mec, comment tu fais? Mec, tu vas m'exterminer. Non, parce que je commence à être calé là en vrai. Mais tu fais des gros crocs encore, hein. Ou Dobby, tu fermes ta boîte? Bah, elle est vide. Mais Dobby, mange plus que toi. Attends, t'as fini? T'as à combien? J'ai à 5,5 parce que le congelé, du coup, je le compte pas. Ah, le congelé, t'as mangé que la moitié. Ouais. T'as à 5,5. Putain, je suis à 4,5, hein. Nouvelle boîte terminée. Les gars, on va en boîte? Bah, là, on peut, hein. Mais ouais. Dans laquelle? Bonne question. J'entame ma boîte du 9 et 10. Cette boîte, je vous le dis honnêtement. Les gars, je suis à 5. Là, c'est du mental. Techniquement, il t'en reste qu'une. Oui, il m'en reste plus qu'une après. Là, c'est la boîte de mon objectif. Non. Si j'ai dit 10 moi mon objectif au début. Mon objectif c'est 12. Non, mon objectif c'est 10. Et vu que j'ai envie de battre mon objectif, du coup j'en ai pris 12. Ah ok, je suis à 5. Toi t'es mort là. Non, je suis encore mort. Valouz il est dans le mental. 9ème terminé. Valouz, j'y arrive mon pote. Mais Dobby t'as abandonné ou quoi? Oh, j'ai... Les gars, il n'y avait pas de serviette. Ah, mais t'as abandonné là? Je l'ai dit tout à l'heure. Mais t'as abandonné, ça y est. Je crois que j'ai abandonné, j'arrête là. Donc t'as pris 5 boîtes et t'as mangé 5 tacos. J'en ai mangé 6. Il y en a un qui était congelé. Non mais là t'as abusé. Bah, moi, je vais même finir ceux que t'as pas mangé. Vas-y, on verra. Le 9ème il tombe bien. Le ventre. Hein. Ah, j'ai fait une pause qu'il fallait pas là. Ah, les pauses, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Oh, ça, j'ai vrai. Fait une pause qu'il fallait pas là. Parce que quand tu fais une pause, reprendre c'est trop dur. Mais c'est comme avec tout en vrai. Hein. Ouais. Même du sport, tu fais du sport tous les jours. Le jour où tu vas pas en faire une semaine, bah, ça rend fou. Le refaire c'est trop dur. Ça rend ouf. Bon, allez, mon objectif. Oh, le 10ème. Le 10ème. tu sais que il mange plus que moi. Ça fait 10 minutes, il est sous ma jambe, il est en train de manger. En vrai, Mich, ce qui va être marrant, c'est que là je suis en train de vivre des états que toi tu vis pas encore. Du coup, quand moi je vais me poser, tu vas rentrer dans ces états là et je vais rigoler. T'es un bâtard. Mais mec, tu joquais, t'auras mangé limite plus de tacos que de wrap. Alors que pourtant, c'est beaucoup plus garni. Hein. Mais les wraps, j'étais avec Doc et il faisait chaud et. C'était le goût aussi du wrap qui était. Ouais, le goût il dégoûtait. Mais j'avoue que là ça dégoûte pas encore. Ouais, il dégoûte pas encore. Par contre, ça m'arrache la gueule. Ouais, quitte, mets-moi du feu. Ouais, quitte, mets pas de feu. Mets pas de feu. Par contre, no joke là, je fais le malin. Je viens me mettre comme ça. Tu voulais rester. Oh, j'ai une boule. Robin, on fait une pompe là. Je vomis. Bah, arrête. Bah, fais 10. Vas-y, 10. 1, 2, 3, 4. Allez, du coup, c'est combien? 8. Aujourd'hui, 1, 2, 3, 7. Bah, attends, mais j'étais pas prêt, moi. Bah, faut dire. 1, 2, 3, 4. Putain, il a redit 7 en plus. Hein. Toi, t'es mort. 6. Tu es en retard. Hein. Putain, il me reste ce petit bout là, je te jure, il veut me faire la peau. Hein. Oh, ton 10ème. 10ème. Allez, on est au bout, je viens un petit peu aux nouvelles. J'ai mangé tout ça pour le moment. Attends, mais t'as mangé 4 boîtes là? 5. J'ai littéralement mangé tout ça là. Mais j'avoue, hey gros, déjà t'as fait 10, c'est vraiment énorme. Valouz, il a de l'avance, mais j'arrive. Il me reste plus qu'une boîte, Michou. Ah bah, là où? Allez. À t'attaque, oh le 11ème. Je vais croquer dedans. Oh là là, oh le croc. Mec, là, tu vas en prendre pour 2 minutes pour le manger. J'ai hâte de le voir dans mon état. Pourquoi tu m'as regardé comme ça? J'arrive plus. Tu trouves pas que la galette molle là, elle reste collée sur tes dents? Si. Si, ouais. En plus, moi j'ai une barre en fer derrière mes dents. Ouais, j'ai déjà. Attends, c'est dégueulasse. Mais t'en as une en haut aussi. Ah ouais. Ah ouais, j'ai en haut aussi. Il a jamais passé sa langue sur ses dents. Non, mais je le sens plus. Heureusement, je la sens plus, la barre en fer. Ouais. Sauf que du coup, la galette, des fois, elle se coince dans ça. Ouais. C'est trop ouais. Chiant. Ah, c'est dur là.
Je suis à 7. En fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai trop de retard. Mais pourtant, je suis encore en train de manger normal. Hein. J'ai pas mal au ventre, j'ai rien. Du coup, Dobby, 5,5. Exactement. Puis dis 2. 2. Ah ouais, t'es une petite joueuse aussi. Hein. Eh, j'ai une question. Chacun a ses délires avec son chien. Moi, j'aime trop des rôtes à la gueule. Non, pas rôtes à la gueule. Moi, j'ai fait sentir mon haleine. Oui. T'aimes bien la pour voir ses narines s'y font et. Bah Yuki, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as parlé narines. Vas-y, fais-lui sentir son haleine. Non, je veux vraiment en vidéo parce que c'est bizarre. Yuki. Elle aime bien en plus hein. La miche c'est très dur, le 11ème il est dur. Moi je vais vomir. Je rigole. Ton combien? 8ème là. Ça rattrape hein. Mec, on dirait que je suis sur une scène de crime. Oh. Là, c'est tu veux entamer ton 9ème. En vrai, tu te rattrapes, chaton. Hein. Bah là, si t'arrives à me battre, gros. Mais toi, là, t'es en pause totale. Hein. Ah là, je peux presque plus. Hein. Mmh. Mais en fait, c'est à chaque fin de challenge. C'est parti, 9ème tacos. Que je me dis que je suis con. T'as l'air d'être super rapide en plus. Bon, allez, juste pour te battre. Eh hey. Mais calme. Non, mais après, si tu prends trop d'avance, je vais plus rattraper. Là, ça commence à être dur. Ça y est, j'ai 11. T'as 11. Et franchement, cette boîte-là. Putain, les gars, j'en ai encore 3. T'as gros, je vais te dire un truc. je la ferme, gros. Non. Je la ferme, frère, je peux plus là. Tu veux plus? Là, je peux plus. Tu t'arrêtes à 11. Ouais, j'attends que tu sois à 11. Et peut-être que je ferai un croc de. Vraiment, un The Croc dans le dernier, mais en mode allez. Allez, j'attends. Aïe, aïe, aïe. Balouz, il mange plus vite que moi, mais il a mangé plus. Du coup, pour l'instant, il s'arrête à 11. Bah, les gars, j'ai un problème là, non? Je suis enceinte? Ça va, gros? Bah là, en fait, je m'ennuie. Comment ça, tu t'ennuies? Mais gros, je. Tu fais chier avec nous, en fait. Faut que je. Non, mais faut que je mange. Ça m'énerve, c'est trop long. Mais alors là, j'attends la mise à jour. Oh! Quoi? Oh, oh! C'est le pet de Dobby! C'est vraiment une vidéo de bas! Ah! Mais vous êtes dégoûté, wesh! Et gros, fais un podcast. Ok, j'ai improvisé un podcast. Je sais pas si vous avez remarqué, mais manger beaucoup, ça rend euphorique. Du coup, je me suis dit, imagine que tu manges 10 tacos de KFD. Après, tu vas être complètement zinzin. Du coup, t'as pas remarqué, je pense que Inox, il doit manger beaucoup. Oh, pouh! Ouais, je vais dormir dans ton lit. Mec, la vidéo, elle a même pas de sens. Tu vas jouer? Ouais. Oh, ouais, t'as un geek. Non, je vais t'attendre, en vrai, je vais te regarder. Ça me stresse. En vrai, ça, après, c'est mon 10ème, hein. Ah ouais? Déjà, 10, c'est beau. Attends, 10, c'est très beau. Hein. Les amis, j'annonce officiellement, et de toute façon, vous l'avez vu, hein, parce que ça fait 20 minutes que je mange plus. Ouais, j'avoue. Mais je m'arrête officiellement. Non, t'es marié. Tu vas te marier? Hein? Avec qui? Mais quoi? Ah ouais, chaton, avec qui? Bah quoi? Non, mais arrêtez, les gars. Non, mais je m'arrête officiellement à 11. C'est finito. Il y en aura plus. Donc là. Et je pense que les tacos, je vais plus manger de la ça, même. Ça et 1, et je suis égalité à toi. Bah, du coup, il t'en reste 1,5 encore. Ça va être dur. Mais les gars, je pense que vous en êtes bas. Compte aussi, les gens qui regardent cette vidéo, pour vous, vous devez vous dire, oh, ça doit être trop bien de manger sans limite et tout comme ça. Mais c'est trop dur. Hein. Non, mais c'est marrant en vrai. Oui, c'est. En fait, sur le moment, à la fin, c'est dur. C'est du mental. C'est difficile de faire un concours. Faut être con, encore, je le répète. Mais plus tard, tu sais, genre, en gros, frère, quand on aura 30, j'ai 30 ans. Mais... quand on aura 30 piges, qu'on en reparlera. C'est ça, gros putain, c'est vrai, je suis un vieux. Quand on aura 40 ans, on se dira, tu te souviens? Est-ce que 30 ans, tu le vis mal? Franchement, je le vis pas mal parce que dans ma tête, j'ai encore. Dis, je suis encore jeune. Bah, oui. Mais je me dis bordel, j'avoue, ça fait 30, ça va faire 30 piges. Moi je me dis ça avec le 2. Bah ouais, 20 ans t'es censé être un peu plus mature. Ouais, 20 ans là, je peux plus faire de conneries, faut que je sois un daron. Quand j'étais chaud, et bah je pensais que 30 ans on était vraiment genre on était un daron. Tu rigolais plus, tu t'amusais moins. Mais après c'est notre milieu aussi en vrai. Ah ouais. Par exemple, j'ai un grand frère gros, il travaille dans l'immobilier. À la maison, ça se ressent qu'il est plus sérieux, ah ouais, tu vois. Au travail, ouais, tu dois être bien habillé, tu dois bien parler. Ouais. Donc mine de rien, ça afflue dans ton mode de vie. Quand ils arrivent à multiplier crash et tout. Mais qu'est-ce que tu branles, gros? On est trop sérieux. C'est pour ça que je suis mort. Gros. Aïe! Ah, mon ventre. Mon ventre. Attends, mais c'est vrai, ça en est juste. J'ai l'impression que j'avais ça sur le cœur. Il fallait que je le dise. À vous, les chiens, en vrai, ils peuvent en manger un ou deux. Bah, en fait, les carlins. Je pense qu'ils s'arrêteraient jamais. Ouais, et ouais. Après, ils. Bah, comment ils feraient? Bah, Mustang, en fait, en gros, ça, dis-toi que c'est des chiens qui peuvent manger jusqu'à la mort. Ah, ils mangent jusqu'à. Ils peuvent manger jusqu'à mourir. Imagine, je suis en train de faire ça et je m'en rends pas compte. Et tu fais quoi, toi? Je vois pas comment on peut manger jusqu'à mourir. T'arrives plus à mâcher. Bah, il y a un moment, t'arrives plus à. C'est ton cerveau, il te dit stop. Ah, ouais, parce que nous, notre cerveau, il va nous stopper. Peut-être eux, ils continuent à fond. À manger 10. Manger 10, gros. Bah, franchement, bravo. Sinon, tu peux t'arrêter là. Mais hein. Pourquoi ça a l'air aussi dur, hein? Non mais gros, il est énorme. Je mange ça, monde on de, est à égalité. Donc là, entre toi et moi, il y a ça. Je veux dire, c'est ça. Il y a ça qui nous sépare. Là, je vais te dire un truc, Mich. Faut pas que je fasse un gros croc, sinon il va rester bloqué. Moi, je vais te dire un truc. Regarde le droit dans les yeux. Mec, il te regarde mal, frère. Mec, il te regarde mal, gros.
Il t'a couché, il vient te mettre une patate. Quoi? Là, il vient te mettre une patate. Non, mais moi, je ne mets pas. Non, bah non. Non, bah non, j'y arriverai pas. Bah, il y a un moment, faut que tu fasses une décision, gros. Mec, ça me fait chier. Mais gros, Alan Food Challenge, j'y vais comment? Je sais pas, gros. Écoute-moi bien, mon petit Alan. Je te mets au défi, devant tous les abonnés, de nous battre, nous quatre. On fait un challenge bouffe. Moi, bah, toi, théoriquement, Doc, il peut nous coucher, ouais. Moi, toi, Doc, Inox. Lui, tout seul, il doit manger plus que nous. Ouais. Parce qu'avec les wraps, il l'a fait, gros. Mais gros, je sais pas comment il les wraps, on a mangé jusqu'à plus avoir faim. Et il a mangé plus que nous quatre. Bah, Lou, je vois pas comment je peux. Quoi? J'abandonne. Un dernier petit croc. Il abandonne. Bah bravo Michou. Bah bravo. On a mangé plus de 10 déjà. Ouais j'avoue. Mec t'as gagné. Putain t'as gagné gros. En vrai je pensais que t'allais me battre. Moi je pensais que ouais. En fait je pensais que j'allais te battre à partir du moment où t'en avais 5 d'avance. Moi je sais, je savais direct que rapidité j'allais te... Mais par contre sur la longueur j'avais peur qu'au niveau mental t'es plus fort que moi, t'es plus costaud que moi tu vois. Putain t'as gagné. Valouz a gagné les gars. Un maximum de GG. Ouais quitte au montage, je veux des compétis qui tombent des wouh. Je veux cette danse dans Fortnite. Allez, Fortnite, si vous nous regardez, on veut voir cette danse. Du coup, les gars, verdict, verdict. Valouz m'a battu, il en a mangé 11. J'en ai mangé 10. Dobby en a mangé 5,5. Et Pidi 2. Mais Pidi, en vrai, elle a pas fait le défi. Elle a participé à la vidéo, quoi. Oh là là, bien mangé. GG à Valouz. Je pense que ça sera le dernier challenge bouffe. Mais je veux faire un ultime challenge bouffe contre Alan Food Challenge 4v1. Je sais pas, on mange quoi. Si vous avez des idées dans les commentaires, soit des tenders, des hot wings, des je sais pas. En même temps, Alan, si tu veux faire le défi tacos. Allez Alain, t'as de la vidéo là. Comme ça, ça nous donnera un petit aperçu. Bon bah comme d'habitude, on n'oublie pas quoi, les petits pouces, les abonnements, les commentaires, vous êtes les boss. Évidemment. Brrr. Bisous les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On est ensemble, des gros bisous.